chargée de vous parler de l'amour, c'est Noël. Donc aujourd'hui, l'amour, c'est, eh ben, c'est couvrir. Les occasions de nourrir du ressentiment peuvent être nombreuses, envers les autres, envers la vie. Et les choses n'avancent pas toujours comme on voudrait. Les gens ne te comprennent pas au collège. Le travail, c'est compliqué. Ton responsable rend les journées pénibles. Tant de choses qui peuvent venir ternir ton quotidien et puis voler ta joie. À l'approche de Noël, de ses cadeaux, ses chocolats, ses décors illuminant les nuits d'hiver, je te propose d'élargir aujourd'hui ta perspective et d'essayer de regarder l'individu plutôt que ses fautes, de considérer ta vision plutôt que ta situation. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que l'amour, c'est ce qui pousse l'homme à changer de voie. Donc un amour qui, dès le début, a pour cœur de pardonner, de couvrir les fautes commises et même de l'effacer. Ainsi, je t'invite à confronter ta situation dans sa véracité, mais aussi à t'efforcer de ne pas nourrir le problème. Aujourd'hui, que tes mots soient bienveillants et que ton silence soit rempli de grâce, que tu n'en seras qu'une personne plus épanouie, car oui, ton ado mettra de l'ordre dans ses affaires, l'ambiance va même s'apaiser au bureau, et surtout, rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de manifester sa grâce dans ta vie. Alors si le message t'a plu ce matin, je t'invite à le partager sur les réseaux Facebook, Instagram, avec le hashtag Momentum Challenge. À bientôt !